ya de la Yesu Christo ji eye mitsom ti va fa fek bedona me na toji na la okata. À travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous transmettons nos salutations de paix à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Que Dieu bénisse tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Par la grâce de Dieu, vous voyez votre serviteur Numovi Doji Paul. Le Seigneur m'a fait nous. Le Seigneur nous a accordé ces opportunités afin que nous restions ensemble, enseigner et prier sur ce plateau. Humblement, nous allons prier. Gloire à Dieu dans les cieux. Et que la paix vienne sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, amen, alléluia. Me benu ti kokwe, wala na maule di bobo. Eh, benu ti fa fa na ba ani gbaji. Oh, amen. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Papa, miedak penao. Père, nous te disons merci. Ak penao de eilata. Merci pour cette occasion. Game sumbena mia gaseonya. Il est temps pour que nous entendions ta parole. Aye wenye mau. Tu es Dieu. Esogbela gafonu nami. Et tu es prêt pour nous parler. Abe vifofo nueto. En qualité d'un bon père. Papa mitso mia dokio nao. Seigneur, nous nous confions à toi. Miawe nekpobe ya gawo miantido. C'est nous que tu voudrais encore utiliser. Pas parce que nous sommes meilleurs, mais à cause de ta grâce. Utilise-nous comme bon te semble. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Je voudrais parler d'un thème particulier. Le diable cible ce que l'on aime et se base sur cela pour détruire l'homme. Et nous si amelona ce que l'homme aime. Alors nous signons à mes pays rien ou ce qui constitue alors et maman le besoin de la personne en ce moment ou en cette période. Le diable se focalise sur ces choses et arrive à détruire l'homme. Parce que quand tu lis un peu sur les œuvres du diable, il a commencé avec nos premiers prédécesseurs dans le jardin d'Éden. En tout ce qui leur a été permis. Et ce qui leur a été interdit, il a souhaité à ce qu'ils désobéissent à l'interdit. Alors ça prouve que c'est ce que ces gens-là désirent. C'était le fruit qui a été défendu. Et ils désiraient ce fruit. Eux aussi désiraient ce fruit. Et il a dit Satan a noté
Et le diable s'est basé sur cela pour les enlever du jardin d'Éden. Et nous avions vu le départ ou le commencement de ces choses et nous avions constaté que le diable n'a toujours pas de bonne vision pour les créatures de Dieu. Alors son intention c'est que que doit-il faire pour enlever les créatures de Dieu de la volonté de Dieu? Alors, nous qui sommes les créatures de Dieu et connaissons Dieu comme notre créateur, il nous faut Il faudrait que nous discernions ce que nous aimons et que Dieu s'oppose à cela et qu'au finish, le diable va se baser sur cela pour nous détruire. Il faudrait que nous connaissions ou discernions ces choses dans nos vies. Oh, alléluia. Amen. Parce que quand tu lis, Nakpobena, tu verras que nous si amelona, ce que l'on aime. Et ce qui constitue le besoin de l'homme. Cela même est arrivé à Jésus. Oh, alléluia. Amen. Et nous pourrions le découvrir dans la Bible. Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 4. Le chapitre 4, le verset 3. Jusqu'à la fin du quatrième verset. Aye, abosan bone bena. Nye mauvi ne nye la. Akema bona kpesia ne watrozun abolo. Aye, yesu ho eji blone bena. Wong lodi bena. Menye abolo dede konti amela no agbedo o. Negbe le maupe nya sia nya. Nti. Amen. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 4, les versets 3 et 4. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Amen. Yesu, apetola. Jésus, le Seigneur, lorsqu'il a reçu son appel, sa vocation, et allait entamer son ministère, quelque chose s'est produit à cette époque. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus-Christ enseignait. Et dans son enfance, là où il lisait, là où il voyait les choses, les gens se posaient la question, où est-ce que cet enfant découvre de telles choses? Parce qu'il n'avait pas voulu jusque-là dire quelque chose en dehors de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, selon la tâche qui lui a été assignée, il devait faire une certaine année donnée, chercher la face de Dieu et recevoir des recommandations de la part de Dieu pour la mission qui lui a été assignée. Et à cette époque, Jésus, puisqu'il est Dieu, il n'avait pas fait une école théologique. Il n'avait pas aussi étudié. Et certaines personnes peuvent même dire que Jésus n'avait fait aucune école théologique. Mais Jésus, il est Dieu. Et
Il est un diplômé parce qu'il est Dieu qui créa toutes les dialectes. Il maîtrise tout et rien n'est caché à sa face. C'est pourquoi Jésus, le Seigneur, au moment où il vivait au sein de la société, quand vous étudiez un peu l'histoire de Jésus, je dis qu'il vécut dans la société comme étant né d'une femme. Et il alla sur la montagne. Et il a fait 40 jours. À travers les jeûnes et prières. Afin de revenir travailler. Nous allons juste comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas basée sur la nourriture et le breuvage. C'est par les jeûnes. C'est par la prière. C'est chercher la face de Dieu. Et c'est ce qui fera que ce que Dieu est en train de dire, si tu tires le son des premiers prophètes jusqu'à Jésus, vous allez constater que Moïse même a jeûné durant 40 jours. Élie également en a fait. Ésaïe en a fait. Et le prophète Ézéchiel aussi en a fait. Et tant d'autres prophètes dans la Bible ont fait des jeûnes et prières. Chrétien et homme de Dieu, j'ajoute ceci que ce n'est pas ça l'objectif principal, mais tu dois reconnaître jusque-là l'importance du jeûne et prière. Alléluia. Amen. Yesu a fait cela. Jésus le Seigneur. Au moment où il est allé jeûner, lorsqu'il est allé jeûner 40 jours et il revenait, Satan a fait quelque chose. Et ce qu'il a fait, c'est que le diable savait que nous doudou. La nourriture. Et le diable savait que Jésus avait besoin de la nourriture en ce moment précis. Ce n'était pas la femme. Ni de la boisson. Ce dont Jésus avait besoin en cette période précise, c'était de la nourriture puisqu'il venait de rompre le jeûne. Et dans les où il avait faim. Et puis ben nous Yesu et ça prouve que c'était le besoin de Jésus à cet instant précis. Alors, le diable voudrait se focaliser sur ce besoin-là pour chuter Jésus. Mais ben, il aime cibler tes besoins et ce que tu aimes. Et il a vu Jésus. Il l'a rencontré au moment où Jésus descendait de la montagne après 40 jours de jeûne et prière. Et il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, voilà, tu as faim. Tu peux parler à ces pierres pour qu'elles se transforment en pain pour que tu en manges. Et Jésus dit, niet. L'homme ne vivra pas seulement que du pain et de quoi boire. Ce n'est pas seulement pour ça que l'homme vit. L'homme vit pas seulement pour le pain, mais pour la parole de Dieu. Et le diable était abasourdi. Parce que ce qu'il a ciblé comme besoin de Jésus en cette période précise, c'était la famine. Et Jésus s'est tenu debout. Il s'est tenu dans la parole de Dieu malgré qu'il avait faim. Il s'est tenu.
Mais certains d'entre nous n'arrivons pas à résister. Quand le diable sait que tu aimes tant la nourriture, il va toujours se baser ou se focaliser sur la nourriture pour te chuter. S'il sait que toi tu aimes l'adultère ou la fornication, tu es un jeune homme. Mais tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu es jeune fille. Mais tu n'arrives pas à te maîtriser. Alors, où tu es un homme marié. Tu vis déjà dans un foyer. Tu es un homme ou une femme. Mais tu n'arrives pas à te maîtriser. Sache que le diable va se baser sur cela pour te détruire. Parce qu'il sait que tu aimes tellement cela. Il sait que tu aimes prendre de la boisson. Tu aimes prendre de l'alcool. Et c'est par là qu'il va te saisir. Ceux qui te cherchent, ils vont simplement te dire, viens, nous allons partager un verre ensemble. Et quelqu'un va dire, avec affaire de jupon, il suffit de lui tendre tout de suite, de lui piéger une fille, et vous l'aurez. S'ils savent que tu aimes de l'argent, et le diable va te chuter par cet esprit de cupidité. S'il sait que tu es égoïste, il va se baser sur l'esprit d'égoïsme pour te détruire. S'il sait que tu convoites tant, par la convoitise, il va te détruire. Mais dites un peu pour découvrir ce que tu aimes. Et le diable va plus tard se focaliser sur cet élément pour te détruire. Pour certains, c'est la colère. Si tu t'irrites de temps en temps, par la colère, il va te détruire. Il va te détruire par la colère. Parce qu'il a constaté que tu t'irrites très souvent. Bien-aimé, ils ne pourront pas nous détruire par la colère. Ils ne pourront pas nous détruire par la colère. Non. Je voudrais que nous comprenions bien le sens de ceci. Et que nous puissions découvrir certaines choses. Et que nous puissions remarquer aussi certains éléments. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que le diable, il sait que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous aimons dans ce monde. Si tu aimes les biens de ce monde, tu aimes du luxe sous diverses formes qui ne sont pas bibliques, c'est par cela qu'il va t'avoir. Parce qu'il a constaté que tu aimes tellement de l'esthétique et du luxe. Il sait que tu aimes tellement de l'esthétique sous diverses formes. À chacun de découvrir ce qu'il aime. Et par là, tu peux t'identifier. Tu dois être sobre, éveillé sur ce point dans ta vie. Si tel n'est pas le cas, c'est sur cet élément qu'il va se baser pour te détruire. Si on est allé à un festin, s'ils étaient allés à un festin,
et que Jésus a mangé Odopo. Et qu'il est rassasié, il ne va pas se présenter devant lui avec cet argument. Parce qu'il sait que Jésus est rassasié. Mais au moment où il parlait, c'était au moment où la personne avait faim. Il sait très bien que la personne éprouvait un besoin. Il sait que la personne éprouvait un besoin. Alors, ces périodes que nous traversons, il faut que l'être humain puisse discerner le temps qu'il traverse. Bien aimé en Christ, nous traversons certains jours et le diable nous cherche. Il a ciblé ce que nous aimons et ce qui constitue nos besoins. Et c'est par là qu'il nous détruit. Il y a quelqu'un? Il n'aime pas ou il ne commet pas de l'adultère ni la fornication. Il ne court pas derrière les jupons. Mais il ne s'est pas encore marié. Le diable sait très bien que son besoin principal, c'est un homme. Il a tout déjà. Et dans les... Il y a du boulot, du travail. Il y a de l'argent. Il est aisé et bien hébergé. Mais il lui faut maintenant un conjoint ou une conjointe. Alors l'élément principal sur lequel le diable s'est basé pour le chercher actuellement, c'est son besoin qui constitue son conjoint ou sa conjointe. Et c'est en cela que le diable est en train de te chercher actuellement. Jésus-Christ, il était éveillé, sobre sur sa vocation. Et il n'a pas voulu à ce que le diable vienne le détruire. Malgré qu'il ait faim, il n'a pas voulu saisir de cette famine pour détruire le plan de Dieu dans sa vie. Il avait aussi le pouvoir de parler à ses pierres afin qu'elles se transforment en pain. Mais il ne l'a pas fait. Parce que il savait la tâche et la vocation qui l'incombe. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas la raison pour laquelle tu as été appelé, tu resteras à mi-chemin, tu n'arriveras pas à destination. Je me rappelle que au moment où Dieu m'appelait pour ce ministère, j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu durant la période de ma vocation. Et je propageais la bonne nouvelle. Mais je demandais toujours la vie de Dieu. Et je voudrais toujours rester dans la volonté de Dieu. Et quand les hommes de Dieu me conseillent, je découvre que leur conseil ne marche pas exactement avec ce que Dieu me dit, je n'accepte pas. Il peut même apporter de l'argent. Il peut venir me conseiller. Et dans le dernier moment, au moment où Dieu me demandait de quitter l'église que je dirigeais, premièrement, à mon niveau, ça m'a été un peu difficile. Mais vous savez ce que le diable a fait? Toutes les années que j'ai eu affaire à Lomé et toutes les années de ministère que j'ai eu affaire à Lomé, les besoins que j'ai eus ici à Lomé, les propositions que jamais personne ne m'a fait,
C'est en ce moment difficile que je traversais là que les gens étaient venus avec ses propres décisions devant moi. Les gens sont en train de me dire, nous allons te faire tel. Nous allons te loger ici. Nous allons t'aider sous telle forme. Si le diable sait que c'est ce qui est important pour toi et que tu es toujours gonflé avec ces éléments, le diable peut se focaliser sur ces éléments. Satana, le diable, il peut se baser sur ces éléments pour te détruire. Parce qu'il sait que telle chose, tu l'aimes. Si le diable découvre quelque chose en toi et il sait que tu aimes tellement telle chose, homme de Dieu, enfant de Dieu, chrétien, c'est sur cet élément que le diable va se baser pour te chuter. Jésus était éveillé. Et quelles sont les propositions que les hommes n'ont jamais eu à me faire? Aujourd'hui, les gens sont en train d'envier la position que j'occupe. Mais ce que j'ai traversé, ils ne peuvent jamais accepter de traverser. Les persécutions, l'envie, les injures, les railleries, les moqueries, la famine, les souffrances, le manque de vêtements à porter, les moqueries, les mensonges dans le compte de l'homme. Il ne peut pas résister à ces choses. L'être humain concurrence à la position. Mais ne voudrait pas traverser les difficultés qu'il faut avant d'arriver à ce point. Ce qui est en toi, ce que tu aimes, ce que tu cherches, c'est sur cela que le diable va se baser pour te détruire. Il sait que c'est ce que tu aimes. Lorsque j'ai découvert les éléments par lesquels le diable pourrait me détruire, je suis désormais sobre et éveillé. Je ferai que sa volonté. Je ferai que la volonté de Dieu. Je ferai que la volonté de Dieu. Okle apostle Dameda over gbereka le gbedurape me de ofio eye me ponu so ntibena eya nya mesi gba me wo biblia school ya okata. L'apôtre chez qui j'ai suivi ma formation théologique et qui était en même temps le fondateur de l'église où j'ai suivi la formation théologique. Entre-temps, il était venu dans le camp de prière avec l'apôtre Dameda et publiquement je les avais présentés. Bible school au Banti. Et j'ai parlé de la formation que j'ai suivie également dans leur église. Aye, be magbe kon micro. Ce jour-là, il prit la parole. Be yoyi. Be drape o le Nigeria. Et il disait qu'ils sont allés dans les centres de prière au Nigeria. Le Adeboyigbo. Chez Adeboye. Ye yo ponu. Et ils ont vu assez de choses. Ye yo va fi abe imeke mejo bato do la ye me va fi epo. Et ils sont maintenant venus chez moi dans le camp que depuis mon départ de Lomé, lorsque je suis venu entamer le ministère à Kobo, ils ne sont jamais venus. Be ye be gbogbo meto la eye nye apostolo Dalmeda. Et il disait que son papa spirituel c'était l'apôtre Dalmeda. Dalmeda me ka onye eye nye mi apostolo
Et l'apôtre d'Almeida est l'un des apôtres qui fut président de l'église de Pentecôte du Togo. Et il fut aussi l'un de mes conseillers avant que Dieu ne l'appelle tout récemment. Avant que Dieu ne l'appelle, il m'a appelé de venir. Et j'étais allé avec l'interprète qui est en train de m'interpréter actuellement. Il était au lit. Il n'arrivait plus à se lever. Avant que tu ne puisses entendre ce qu'il dit, il va falloir que tu prêtes beaucoup attention à ce qu'il dit. Il m'a tenu par la main. La bati a dit, au moment où il était encore au lit, et il a commencé par pleurer. Il a commencé par chanter. Et toutes ces images, cette vidéo est encore là. Mon interprète là avec lui actuellement. Il était en train de chanter. Il chantait. Il chantait. Il m'a tenu par la main fortement. Et son épouse était là, elle chantait également. Et tous deux ont commencé par pleurer. Il disait, mon fils, l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de Makion, il sera avec toi. Et tu as fait ce qui est de ta part. Qu'un homme le veuille ou pas, Seigneur, écoute bien que ce n'est pas une personne qui t'a appelé. Ne garde confiance en personne. C'est ce qu'il m'a dit. De placer mon espérance et ma confiance en l'Éternel. Et d'être sur la voie de l'Éternel. Benade. Que je suis l'un de leurs petits-fils. Et ils savent qu'après leur départ, le feu qu'ils ont allumé, ce feu ne va pas s'éteindre. Et ils savent que le feu sera toujours activé. Que mon nom sera grand dans le monde entier. Dans le monde entier, tout le monde aura de mes nouvelles. Et en vérité, avant qu'il ne dise cela en 2019 et mourir, au moment où il était en train de parler, lui-même il pleurait au lit, son épouse pleurait, et l'homme de Dieu aussi pleurait. Moi j'étais le témoin oculaire de tous ces événements. J'ai dirigé une paroisse ici avant que Dieu ne m'appelle et ne m'oriente d'aller à Koumé. Et je sais comment diriger l'homme. Et c'est ce qui a fait que Dieu a été avec moi. Je ne convoite rien de qui que ce soit. Je connais Dieu, celui-là que je suis. Et je n'arrive à convoiter ou à viser qui que ce soit dans son ministère. Je reconnais celui que je suis. Il n'y a aucun piège qui pourrait facilement m'avoir. Non. Que ce soit un piège du diable ou un piège émanant de l'homme, mon Dieu, celui qui m'a envoyé, il ne m'abandonnera pas. Sache ou reconnais ce que tu aimes et ce que tu cherches. Ce qui est ton besoin principal. Le diable ne passe pas par là pour te détruire. Satan a là. Satan. Il savait que Jésus avait faim. Au moment où j'étais à Kobe, il y avait une prédicatrice qui était venue du Bénin. Elle est policière. Elle fut policière avant que Dieu ne l'appelle. Elle est une policière. Et lorsque Dieu l'a appelée, elle a travaillé. Et la maison où j'étais très souvent hébergé à Lomé, elle a été aussi hébergée dans cette maison à l'époque.
Lorsqu'elle était hébergée là, j'avais dirigé une veillée de prière un jour. Et elle disait, quelqu'un qui a ce talent-là, qui est allé s'installer dans la campagne là-bas, et au moment où elle parlait, j'étais en train de rendre ministère sous une paillote. Et elle a dit, niette, elle disait, même si Dieu t'appelle, tu peux rester ici et rendre le ministère. Et en même temps, elle est allée à Koulikame. Et elle s'est promenée et elle a trouvé une grande maison à étage. Elle a loué cette maison à étage à 200 000 francs. Et elle a demandé à ce que je vienne m'installer avec mon épouse. Et mon épouse et moi allons rester en haut et le bas va nous servir de lieu de prière. Et que c'est moi qui vais venir la remplacer là. Et si tu n'aimes pas la souffrance, si tu n'aimes pas souffrir avec Jésus, tu vas rester dans ces bains de problèmes. Parce qu'à cette époque-là, même nous étions en train de souffrir. Nous étions dans une pièce de chambre à Kove. Quand tu vois un peu mon habillement, c'est triste. Parce que dès que j'ai quitté et j'ai commencé mon ministère là, humainement parlant, il ne savait pas en réalité ce qui se passe. Il disait que Elomé, et n'est-ce pas l'œuvre de Dieu que j'étais en train de faire aussi à Lomé? Ils ont eu à me conseiller sous diverses formes. Et ils m'ont conseillé sur plusieurs plans. Afin que je revienne m'installer à Lomé. Le dia. En haut. Et mon épouse était d'avis. Parce que pour elle, Dieu était en train de se souvenir de nous. Nous serions bientôt libérés de la souffrance. J'ai dit à mon épouse, allons-nous sortir des rayons de Dieu pour entrer dans une autre dimension. Les étages n'étaient-ils pas là-bas avant que Dieu ne nous appelle pour ce village? Je vais rester sous la paillote ici pour voir ce que l'Éternel fera. Et c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Mon année que j'avais ouvert. Le Bénin au Bénin. Et cette femme, je suis bien avec elle aujourd'hui, elle est encore vivante et elle rend ministère. En cette période, il y a 8 millions. Il y a des gens qui sont et à cette époque, on a cotisé de l'argent, on lui a acheté une voiture de 8 millions et elle était en train de parler un peu de l'achat de cette voiture. Si tu es quelqu'un, tu seras vraiment emporté par ces choses. Et si tu convoites les biens, le diable savait très bien que c'était mon besoin principal. Il savait très bien que je souffrais. Il savait très bien que j'avais besoin de l'argent à ce moment. Il savait très bien que je n'avais pas de moyens en cette période. Voilà pourquoi il est allé me tendre de tels pièges. Pour me détourner de la dimension divine. Regardez l'année dernière. Deux cent cinquante-trois malades mentaux ont été complètement guéris de leur maladie. À travers mon ministère. Mais il y a un cancer. Je parle des malades mentaux. Ce n'est pas ceux qui ont souffert du VIH, sida, du cancer et autres. Ce n'est pas ceux qui étaient paralysés. Ce n'est pas ceux qui étaient aveugles. Mais je parle rien que des malades mentaux. 253 malades mentaux ont été complètement guéris de leur maladie à travers le Mon annexe que j'ai ouvert actuellement au Bénin est plus grand
que le centre de prière de cette femme qui me parlait et qui allait aussi me détourner de la voie de Dieu, mon annexe est actuellement plus grand que son premier camp de prière. Mais le bon pobe, je parle. Nous sinon en te disant que ce que tu aimes, c'est sur cela que le diable va se baser. Mais si tu aimes tellement l'honneur, il saura que telle ou telle personne aime l'honneur. Il veut qu'il soit promu. Écoutez ce qu'il a dit dans le cinquième verset à notre Seigneur Jésus. Après avoir parlé du pain, Dans le cinquième verset de l'évangile selon Luc, le diable dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Si tu aimes plus l'honneur avant l'honneur de Dieu, et que le diable arrive à découvrir que tu aimes tant cela, il peut te dire, là où tu es, le salaire que tu mais gagnes, non. C'est un mauvais salaire. Il y a quelque part. Et si je t'amène là, tu auras un bon salaire. Il sait que tu aimes l'argent. Il sait que tu aimes cela. Et bien, tu as un avenir qui t'attend. Et Dieu doit te mener à travers ces difficultés. Avant que tu n'arrives à cette position, à ce niveau donné. Il dit, il l'amena sur la montagne. Et lui montra tout le royaume en un clin d'œil. Il lui a montré tout le royaume de la terre en un clin d'œil. Il dit, toutes les puissances de cette terre et la gloire qui s'y trouve, c'est moi le diable qui siège sur la terre. Vous voyez, tous ces biens-là m'appartiennent. Et celui que j'aime, c'est à lui que je donne cela. Alors, voilà, le diable voudrait tromper Jésus pour lui dire qu'il l'aime. Et s'il le veut, il va lui donner tous les biens de ce monde. C'est le cinquième et sixième verset que nous venons de lire. Voilà, écoutez ce que le septième verset dit. Voilà. Si donc quand tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Le diable voudrait prouver. Il voudrait prouver que Jésus se prosterne à lui. Afin qu'il lui donne toutes ces choses. Il est trop sale. Et Jésus ne peut jamais se prosterner à lui. Il est rempli d'injustice. Et Jésus ne peut jamais fléchir devant Satan. Jésus n'est pas venu pour régner dans ce monde. Il est venu pour régner au ciel. Et une mission lui a été assignée. Il n'avait pas encore fini cette mission. Et le diable tentait à le détourner. Il tentait à le détourner des rayons de Dieu. Parce que si Jésus aimait Boubou, l'honneur avant le moment opportun, c'est ce qui enlève certaines personnes de la volonté de Dieu.
finele pipia. Là où tu es actuellement. Et doula nos anou yaleke. Tu dois utiliser telle chose. Et doula nos oleke. Tu dois faire telle chose. Et doula nos oleke. Tu dois faire telle chose. Et voilà Yeshua. Eh bien Jésus, on le dadibé, il est écrit. Le peu me toto va me de là. Après ces épreuves. Elle gagne fiala, elle yak pana nyigba ya di, anyigba tumé. Eye eye la gagne fiala di po, ke e satana kobe. Ye dola détourner là et le do pied jine kaba. Wa Yesu men lona nuo. Ni sine lona là. Eye wa chole o. Il est écrit que Jésus allait régner sur la terre, ou bien au ciel, sur la terre et sous la terre. Le diable, sachant très bien que Jésus allait donc régner ainsi, a tenté de les détourner d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur Jésus a résisté. Sache très bien que ce que tu aimes, c'est sur cela que le diable va se baser pour t'avoir. Yesu. Jésus, Abede. Il dit, « On m'a dit, mais regarde ta gouna. » Il est écrit, ne te prosterne à aucun dieu si ce n'est l'Éternel ton Dieu. Jésus lui a dit dans le 8e verset. Le 8e verset dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu lui serviras lui seul. Amen. Ne ekwebe amede le djimbe yana o onu edevo onu yodibe yana wa atokble oya edula nonzo. Alors si tu vois que quelqu'un voudrait t'accorder un honneur donné et cet honneur là c'est pour te nuire, tu dois être éveillé. Elle avait intérêt de les mener Satana. Parce que le diable vise un intérêt dedans. Et d'où la nonzo. Tu dois être éveillé. Pourquoi ben nous ciblons Satana l'aider. Vois ce que le diable. Vois ce que le diable est en train de dire. Ce que le diable médite. Est-ce que ses conseils sont bons? Jésus a refusé. Elle avait dit mais il faut pas. Parce qu'il voudrait faire la volonté de son père. Megana bemawo. Ne permets pas que je fasse ma propre volonté. Ne permets pas que je fasse ma propre volonté. Seigneur, permets que je fasse ta volonté. Megana bena. Ne permets pas que je fasse. Bemawo nyelolo nwe. Je fasse ma propre volonté. Mais Jésus, permets que je fasse ta volonté. Na bemawo lolo nwe. Permets que je fasse ta volonté. Ne permets pas que je fasse ma propre volonté. Jésus, que je fasse ta volonté. Mais le ponpoto nous signe l'ona. Je parle de ce que tu aimes. Ayaye abosan ale ou atchawe. Le diable va se focaliser sur cela pour te détruire. Tu t'irrites de temps en temps. Tu te mets de temps en temps en colère. Et le diable va se baser sur la colère pour te détruire. La colère. Le diable va utiliser cette colère pour détruire ta vie. Parce qu'il sait que tu aimes cela. Il sait que tu t'irrites de temps en temps. Et tu haïs. Le diable va faire usage de la haine pour te détruire. Je voudrais parler à un enfant de Dieu, à un chrétien, à un serviteur de Dieu. Jésus dit, on ne va se prosterner à aucun autre Dieu. Les gens sont dans l'église aujourd'hui. Ils cherchent rien que l'emploi. Là où ils sont arrivés, on leur a dit, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois avoir tel ou tel papier. Tu dois nous remplir et signer. Et signer. Et là, tu connaîtras de temps en temps la promotion. Et quand tu vois la chose, qui n'est pas égal à la parole de Dieu, souviens-toi de ce que Jésus a dit. On ne doit se prosterner à aucun autre Dieu si ce n'est l'Éternel ton Dieu. Ne rentre pas dans une quelconque secte à cause de ton intérêt personnel. Il a dit que tu seras promu dans ton travail. Il a dit que tu seras chef.
ou DG. Alors on nommé ou amegande. Tu seras nommé directeur. Yo tonobe yemenano. Et on t'a dit que tu dois faire partir de cette secte là d'abord. Mais gardez mais. N'accepte pas intégration de cette secte. Amoboué. Les gens sont perdus. Odok. Ils sont dans les églises charismatiques, mais malheureusement, ils sont dans les intérêts à cause de leur intérêt. Même les hommes de Dieu ont intégré ces sectes. Et ils sont dans ces sectes-là à cause de leur intérêt personnel. Ils sont dans ces sectes à cause de leur intérêt. Ils ont perdu la parole de Dieu qui est la vérité. Le diable. Le diable a le plus aimé Jésus et se permet de lui dire que il peut donner les biens de ce monde à qui il veut. On dit qu'il y a un secret. La façon dont nous sommes dans ce service, c'est à toi seul que je vais. C'est toi seul là que je vais conduire à cette réunion. Nous sommes nombreux dans le service ici, mais je sais que tu peux garder le secret, mais je voudrais qu'on aille ensemble. Et après cette réunion, tu auras ton histoire complètement changée. Tu vas construire plein de maisons à étages. Tu es allé, dès que tu es revenu, tu as commencé par renier la parole de Dieu. Les biens de ce monde vont-ils t'éloigner de Jésus? Parce que le diable sait très bien que c'est cela que tu aimes. Mais celui qui ne l'aime pas, il dira, je peux rester dans une seule seconde, je ne vais participer à vos réunions. Je ne vais pas participer à vos réunions. Non, je ne vais pas. Je n'ai qu'une seule réunion. C'est la congrégation de Jésus-Christ. C'est l'église dans laquelle je suis. Et c'est là que je vais adorer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont même pas arriver à mon niveau actuel avant de détourner. Et la persécution que j'ai vécue ne peut même pas supporter cette persécution-là avant. Et ce que je traverse encore actuellement, ils ne peuvent jamais les supporter. Mais je connais celui que je suis. Ce n'est pas une personne qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, il me conduira à bon port. La lampe qui m'a été allumé, je l'assurerai. La lampe qui m'a été allumée par Jésus, je l'assurerai à vie. Alléluia. Amen. Mais non, nous sommes dans là-haut. Très souvent, je conseille les ouvriers. Et entre-temps, je leur ai même encore enseigné en 2019. Et quand on parle du travail qu'il faut faire à Dieu, nous l'avons fait. Nous quittions Pove. Nous quittions Pove et nous allions dans le champ de l'un de nos pasteurs nommé à l'époque Léo Agogé. Et quand vous arrivez à Ngotien, vous allez encore parcourir 18 km avant d'arriver dans le champ de ce pasteur. Et ce champ se trouve derrière une zone appelée Santo. Et nous quittons Pove à vélo. Nous arrivons à Ngotien. Parcourons 18 km sur la route de Kati. Voilà. Et nous arrivons dans le champ. Et quand nous arrivons, nous sarclons son champ avant de revenir encore à Ngotien et retourner à Pove. Nous faisons ces travaux pas pour un intérêt personnel. Pour nous, nous travaillons pour Dieu et nous sommes en train de servir également les serviteurs de Dieu. Et quand nous sommes dans le champ, et il arrive dans le champ et il dit simplement que Dieu vous bénisse, cela nous va tellement droit au cœur. Sur Jésus.
Suis seulement Jésus. Et tu finiras bien. Ne suis pas les diplômes que tu as. Ne suis pas également l'évangéliste nous m'envie seulement. Ne suis pas un quelconque homme de Dieu. La justice, la vérité est seulement ça dans ta bouche. Tu arriveras à bon port. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été très compréhensible. Jésus, on lui a tendu différents pièges, mais il s'en est délivré. Les gens ne peuvent plus. Les gens n'aiment plus se soumettre à Dieu, mais ils ont aimé se soumettre à leur chef hiérarchique. Eh bien, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que « Soumets-toi à ton Dieu et résiste au diable afin qu'il fût loin de toi. » Papa, Medakbena. Père, une fois encore, je te remercie pour ce moment, cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes. Tu nous as enseigné. Et tu nous aimes autant. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon plus que tous les serviteurs de Dieu. Et c'est à toi que nous devons ressembler. La patience, la franchise, l'amour, la bonté qui est en toi, mais cela également en nous. Afin que nous ne chutions pas dans ta parole. Le diable t'a cherché et il t'a présenté les biens de ce monde. Mais tu n'as pas accepté faillir. Et tu as rendu ton ministère jusqu'à la fin. Papa, Père, aide-nous afin que nous puissions bien finir notre combat. Afin que nous soyons récompensés. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse à tous les auditeurs. Amen. Au revoir.